Vous avez été les trois à CJSR en même temps. C'est quoi vos plus beaux souvenirs de la station? C'est le trip de gang. C'est le trip d'amitié. On s'est connus là. Moi, j'ai bâti une amitié très durable avec M. Philippe Jobin, juste ici. C'est là qu'on s'est connus. Puis sinon, Étienne, on était des amis d'enfance. On était au primaire ensemble et tout. Mais ça a été vraiment le trip de gang. Puis d'apprendre aussi à filmer, tu sais, à s'initier à tout ce processus-là qui est le tournage. C'était votre première expérience aux trois. Oui. Vous avez grandi ensemble là-dedans. Et vous étiez avec l'émission « Ça parle au diable ». C'était quoi le concept? « Ça parle au diable », c'est ça, un matin, je me faisais la barbe. Je me disais, en quelle année ça a commencé, tu sais? Je me posais plein de questions ce matin. Puis là, je me suis trouvé quelques repères de temps. Et je peux te dire, c'est à peu près dans les années 95-96, il y avait de l'impro à Saint-Raymond, organisé par Odile Pelletier, Denis Baribeau, il y avait là-dedans Jean Labranche, Philippe Gasse, Nicolas Caillé. Ça se passait au Cactus. Chaque semaine, tout ce gang-là se réunissait pour faire de l'impro. Puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, le Cactus a comme arrêté de faire la promotion de cette activité-là. Fait que là, on s'est comme retrouvé un petit peu à « OK, mais là, crime, il faut continuer à faire des affaires ensemble, il faut continuer à rire, il faut avoir du fun. » Puis c'est Patrick Boussière qui avait dit « Ben, Colin, pourquoi est-ce qu'on fait pas des sketchs? Pourquoi est-ce qu'on fait pas, on n'improvise pas des personnages qu'on… » Puis ça a commencé vraiment, je me rappelle, le premier sketch qu'on avait tourné, c'était un Jack Crap, qui était un personnage de cascadeur. On peut le laisser, on peut le laisser au bas de montage, Jack Scrap. Okay. Jack Scrap. C'est mon esprit qui a mal compris le. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. C'était voulu, Jack Scrap. Ouais. C'était très ludique, votre affaire. Oh oui, puis je me rappelle quand ce personnage-là a été créé. Il y avait une costumière à Saint-Raymond qui voit des costumes d'Halloween, puis à un moment donné, elle avait un costume de jockey, de cheval, pour les courses de chevaux, là, une espèce de costume rouge et blanc avec des étoiles. Chez moi, j'avais une espèce de bin, casque de motoneige, or brillant, tu sais. Fait qu'on avait été une grosse étoile là-dessus, puis on avait mis une cape à ce personnage-là, puis c'était Patrick Boussière qui était un clown. Patrick, à ce moment-là, je pense que c'était une des personnes qui me faisait le plus rire. Là. C'était quoi vos rôles dans l'émission? Je sais que Philippe était beaucoup à la réalisation, entre autres. Oui. Les gars, vous, c'était devant la caméra. Bien, en fait, tu sais, je veux dire, le trip, on échangeait beaucoup de chaises là, parce que, oui, on était devant la caméra, mais tu sais, à base, c'était un gros processus créatif. Oui, Philippe avait plus de connaissances derrière la caméra, montage et tout ça. Nous autres, on n'en faisait pas de montage, mais. C'est ça, on écrivait des affaires, des fois on les écrivait tout simplement pas, c'était un peu du cabotinage, improvisation. Mais derrière ça, plus les années ont passé, plus on s'intéressait à faire quelque chose d'un petit peu plus de qualité, d'un peu plus drôle, d'un petit peu plus pensé. Bon, Jean-René a fait une carrière après ça comme comédien, mais je veux dire, derrière ça, à un moment donné, notre jeu, on voulait quand même qu'il soit le plus affiné possible. On a fait des enregistrements devant le public, fait que, bon, tu te retrouves devant un stage. Moi, j'étais animateur de foule durant ces choses-là. Ben, je peux te dire que j'ai vécu les plus grands flops de ma vie. Parce que j'étais préparé pour à peu près, des fois, 15-20 minutes de matériel. Que finalement, à un moment donné, il y avait des problèmes techniques. Mais j'en avais plus de matériel, donc je me retrouvais devant. T'as pas le choix de faire avec ça, mais comment vous faites?
Quand il y a un problème ou vous manquez de temps ou, mon Dieu, cette blague-ci, finalement, elle ne fonctionne pas du tout, vous faites quoi? On l'assume, mais c'est tout, il n'y a rien à faire. Mais tu savais le nombre de fois, parce que ce qu'on faisait, on enregistrait, on filmait nos sketchs, on les montait, mais après ça, c'était pas tout, on faisait un enregistrement devant le public. Donc là, un public de combien de personnes environ? Ben, c'est dans le plus fort, on était au Moulin Marcoux, on avait rempli le Moulin Marcoux de spectateurs. Donc là, nos sketchs qu'on avait préenregistrés, qu'on avait montés, on les diffusait sur un grand écran. Quelqu'un avait accès à un projecteur vidéo dans ce temps-là, c'était rare. Écoute, c'était trop luxe, on avait un gros écran géant. Puis là, on pouvait diffuser les sketchs qu'on avait montés, tourner, puis là, on entendait le monde rire. Puis on entendait la réaction du monde. C'est valorisant aussi quand c'est live, comme on dit. Des fois, est-ce que c'est arrivé que justement, vous aviez des sketchs, puis il y a un gros silence? Non. Jamais. Jamais? Non, c'est ça. Mais non, mais c'était vraiment... On a eu genre plusieurs sortes de réactions différentes. Bien sûr, on s'est planté souvent, mais t'sais, nous, on tripait. Il n'y avait pas des cotes d'écoute là, qui se comparaient à autre chose à la télé. Là. Mais quand même, on connaissait des gens en ville tout, qui nous en parlaient. T'sais, fait que... Moi, c'était pas rare. Hein. Une fois, j'étais dans une file à la caisse chez Desjardins. Puis j'entends du monde devant moi qui parle « Hey, t'as-tu écouté ça par l'audio? » Ils savaient pas que t'étais derrière? Ben non, mais moi, j'étais tout le temps derrière la caméra, on me voyait pas beaucoup. Fait que j'étais pas une face que les gens connaissaient, puis j'étais plutôt discret. Mais t'en faisais quand même un petit peu. J'en faisais un petit peu. T'en as-tu profité pour aller faire « Coucou, c'est moi, t'as pas fait? » Non, mais ça m'a fait comme une espèce de « Wow, qui est vendredi? » C'est pas juste mes parents, tu sais, c'est pas juste... Mais ça a été une école quand même de plusieurs choses. Puis tu sais, même il y a des gens qui venaient nous voir dans ces enregistrements-là, qui étaient un peu des fans, qui finalement sont devenus des collaborateurs de cette émission-là. T'sais, fait qu'il y a eu un peu une autre génération, à un moment donné, qui a fait un peu les dernières années de Ça parle au diable. Ben, c'est des gens qui étaient du bord du public, mais qui aimaient énormément. Puis beaucoup des gens qui étaient attirés quand même par la scène, par le jeu, par la vidéo, le cinéma. Fait qu'on était des tripeux de cinéma. Puis à un moment donné, on s'est lancé dans des spéciales Halloween, où est-ce que là, on faisait des petits films d'horreur. Fait que, tu sais... C'est là qu'on a développé le plus notre travail d'auteur. Ouais. On a vraiment écrit des sketchs avec nos spéciaux Halloween. Halloween. On a fait, je pense, 2 ans, Phil. Je me souviens plus. Ça fait tellement longtemps, tu sais. Ça date de 98. On atteignait la majorité après. Ouais. On était encore des ados, là. C'est... Des jeunes qui trippaient. Oui, oui. Puis on faisait des tournages qui finissaient des fois à 3 heures du matin. On faisait du montage toute la nuit aussi. Ah oui, on a fait du montage avec Phil, là, des fois. Là, on sortait de là, le soleil se levait. Ouais. C'est déjà arrivé même une fois, on avait notre spécial de Noël, là, comme une espèce de bye-bye, là. Ouais. Puis on avait tourné des sketchs la même journée que le 31, puis on était en train de faire le montage, on finissait le montage pendant que le début de l'émission était commencé. Mm-hmm. Ah oui, c'est vrai, c'est pas une joke, arrivé, voyons. Puis on savait que, puis c'est un ordinateur dans ce temps-là qui était très très lent, qui faisait le rendu de la vidéo. Là, on savait que notre émission durait 1 heure. On avait 40 minutes qui étaient prêtes. On se disait, il reste 20 minutes de la fin qu'on n'a pas fini. 20 minutes, c'est énorme, là. C'est énorme. C'est le tiers de votre émission que vous ne pas dans ce temps-là. Ben, écoute, c'était en train de loader, là. C'était en train de se charger. Non, mais c'est vrai, là. À un moment donné, tu pouvais avoir l'animateur de foule qui va avoir une nouvelle mission de OK, c'est prêt dans 20 minutes. Là, tu le temps, tu sais, tu... Mais maintenant, messieurs, que vous êtes grands et matures et adultes, vous avez des occupations. Jean-René, tu es comédien professionnel. Étienne, tu travailles beaucoup, beaucoup pour la ville de Saint-Raymond. Tu fais quoi exactement? En fait, je suis conseiller municipal pour la ville de Saint-Raymond, puis je travaille pour la Vallée-Bois-du-Nord comme directeur adjoint. Directeur adjoint. Philippe, tu es infographiste, tu fais plein de projets également. En quoi CGSR vous a aidé dans votre parcours et dans votre occupation maintenant? Bien, moi, je pense que tout le monde, là, ça nous a tous dégelé un peu plus sur, justement, ce médium-là, mais aussi sur bâtir quelque chose ensemble, qui est artistique un peu aussi, mais qui allume notre créativité. Puis,
ça faisait office un peu de... Moi, je trouve que ce qui est important, mettons, quand on vit au cégep puis à l'université, des fois, c'est le parascolaire te forme autant que tes cours. Oui. Mais ça, c'était un genre de parascolaire, mais qui était de notre propre initiative entièrement. C'est la grosse pratique. Oui, on avait Stéphane Lépine qui était là, un gros support pour toute la technique, tout, mais sinon, on pilotait tout. Fait que ça nous a... Moi, c'est parmi mes premières expériences de « c'est juste notre initiative entre nous, entre amis ». Penses-tu que sans CGSR, tu serais aussi comédien? Ben moi, je veux être comédien depuis que j'ai 4 ans. Fait que c'était pas genre « ah oui, à cause de ça », mais bien sûr, c'est quand même relié. Ouais. Dans le sens que c'était la première fois que je prenais la peine de tourner des sketchs, tout, puis je voulais faire ça plus tard. Moi, ça m'a formé énormément au niveau de d'avoir assez confiance en moi, d'un, pour parler en public et tout ça, puis de oser des choses, puis qu'il allait avoir des affaires qui n'allaient pas fonctionner. Mm-hmm. Puis après ça, c'est tout aussi de se dire, ben OK, si tu veux que ça fonctionne encore plus, sois encore plus préparé. Fait que, si tu as à te préparer pour quelque chose, si tu ne veux pas revivre qu'est-ce que tu as revécu au dernier enregistrement, ben là, prépare-toi en fonction. Puis, mais le reste, c'est beaucoup... Tu sais, il y avait une action communautaire aussi là-dedans. C'est-à-dire que j'ai pris du temps à comprendre que c'était du bénévolat qu'on faisait. Mais ultimement, ça faisait du bien à des gens, puis c'est une implication qu'on mettait des heures et des heures. Quand tu as ces âges-là, puis que tu as de l'occupation, ben ça te permet de te réaliser, surtout de rencontrer des gens. Puis Saint-Raymond n'était pas connu non plus pour un milieu culturel florissant. Fait que d'avoir des chums, toi t'es à Saint-Raymond de Portneuf, puis là que tu peux construire quelque chose autour d'un événement culturel, d'une émission, de des sketchs, avoir du plaisir autour de ça, puis contribuer à quelque chose de collectif qui fait du sens. Ben moi après ça, j'ai fait bien d'autres projets, mais ça a tout le temps tourné de bien s'entourer, avoir du plaisir, puis oser en fait. Tu sais, nous autres, on voulait faire rire les gens ou à un moment donné, proposer des trucs. Mais c'était pas grave si c'était pas tout le monde qui aimait ça. Nous autres, on le faisait pareil. Il y a un petit côté délinquant derrière ça de dire, nous, on se fait plaisir. Que c'était bon ou pas, je pense que ce que je retiens le plus de ça, ce qui pour moi fait le plus de sens, là, c'est justement c'est l'implication. On a commencé, on était peut-être 5-6 là-dedans, puis au plus fort de notre émission, notre générique, à un moment donné, j'avais compté, je pense qu'il y avait 55 personnes différentes. Là. Fait que, c'était tout du monde là, qui avait envie de se rallier. Fait que ça avait comme une espèce d'effet, comme Étienne nous dit, de rassembler des gens qui, autrement, dans un petit village comme ici, ou si tu joues pas au hockey, que t'es pas dans les scouts, ou tu fais pas du ballet jazz, ou tu sais, ça ajoutait comme une espèce de... CJSR permettait ça. La télé communautaire, je trouve que nous, à notre époque, elle nous a permis ça. Puis aussi, ben c'est ça, pour compléter là-dessus, c'est que c'était complètement ancré dans notre petite ville, tu sais. Ouais. Fait que tous les lieux de tournage, c'était quelque part à Saint-Raymond. Mais tu sais, les gens aussi qui écoutaient ça, ils pouvaient... ils pouvaient reconnaître les spots, mais des fois, on s'en allait dans la forêt proche, tout le monde disait « où ça? » Mais c'était tout le temps ici, c'était typiquement, puis on le faisait pour les gens d'ici. On se disait pas « il va y avoir quelqu'un au Québec qui va checker ça. » On va aller pogner au Japon. On se faisait pas de distinction. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça, c'était vraiment ancré, c'était made in Saint-Raymond, tu sais. Puis je pense que c'était une des raisons, on était fiers quand même de le faire, tu sais. Et Philippe, tu as parlé de comique. Je pose la question, dans le cadre de l'émission, c'était qui le plus drôle entre vous trois? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ben, il y en a qui sont plus mouillés que d'autres. OK. T'sais? Mais comme Étienne, moi, je trouve que tu as été un des plus game de la gang. Ah ouais, pourquoi? De les suits qui ont été essayés des fois. On a des photos, on a des preuves. Puis tu sais, oui, faire preuve. Même moi, regarde, même si c'est moi qui est devenu le comédien, là, que c'est un peu ça ma vie aujourd'hui, ben différemment, mais quand même, c'était pour moi le plus game de la gang. Étienne, c'était un des games. Patrick Bussière était game aussi. Ouais. S'il fallait oser, c'était Étienne. Ben Étienne, il osait beaucoup. En fait, c'est comme si pour casser la glace puis casser une certaine timidité que j'avais, il fallait que j'y aille totalement. Fait que dans le fond, je me disais, là, j'étais comme dans un personnage et souvent, c'était très niaiseux, c'était très premier degré quand même, notre truc, on réécoute des choses qui ont très mal vieilli. Des choses qu'on serait vraiment gêné, puis moi le premier, mais c'est ça, c'était un univers tellement loufoque
puis on s'abandonnait là-dedans, puis ben, moi, ça me faisait du bien. Moi, ça m'a permis d'aller à la rencontre d'une partie de moi-même que j'aurais peut-être pas connue, inévitablement. Un des trips que moi, je trouvais qu'on avait, mais tu sais, on parle que c'était enregistré devant public, mais on a fait aussi des émissions qui ne l'étaient pas, tu sais, que c'était arrivé quelque chose qu'on a... Les sketchs étaient pré-enregistrés. Non, mais je veux dire, mais on a déjà diffusé sans faire devant public, me semble, de mémoire, non? C'est pas déjà arrivé une couple de fois? Oui, c'est déjà arrivé. Mais qu'on se rassemblait, puis là, ça passait à telle heure. Tu sais, genre qu'on découvrait ensemble ou encore, mettons, que tu avais fait c'était le jamais, montage. C'était jamais du direct. Non, c'est sûr. C'était jamais du direct. Non, c'était jamais du direct. On enregistrait devant public. Oui, souvent. On est déjà là au chalet de tes parents, tu sais. Mm-hmm. On avait découvert tout ce qu'on avait tourné ensemble, montage fait, mais l'émission faite, ça c'était un gros trip. On était quand même un peu fiers. Le côté magique de tu tournes en imaginant ce que ça peut être, en imaginant, OK, on tourne l'histoire des pionniers de Saint-Raymond. Fait que là, on se trouve des costumes, on trouve des endroits. Puis là, rendu au montage, tu reçois ça, puis là tu dis, OK, il faut qu'on réussisse à mettre du sens dans tout ça. Il faut arriver avec un sketch qui va fonctionner. Tu sais. Fait que là, tu te mets à creuser, à trouver de la musique. On se permettait de fouiller dans de la musique d'Ennio Morricone, tu sais, pour pour se mettre des trams. Écoute, on avait du luxe, là. On se payait du luxe de Nino Rota, puis Ennio Morricone pour la musique. Puis là, ça fitait, puis ça donnait comme un autre aspect à notre vidéo. On faisait le montage, puis après ça, on se réunissait. Tous ceux qui avaient participé au montage, on se réunissait, on s'assoyait. Puis là, tout d'un coup, la magie opérait. T'sais, les gens pouvaient voir ce qu'ils avaient filmé, ce qu'on avait tourné. Puis là, tout d'un coup, monter ensemble. Une réunion en même temps. Une réunion en même temps. Puis là, on riait. On riait de l'effet que ça pouvait... L'effet du montage. Moi, j'adore. T'sais, on continue de parler cinéma, puis de qu'est-ce qu'on écoute, que ce soit... Fait que, tu sais, c'est... Ce milieu-là, justement, de parler de culture avec ces chums-là. Moi, dans le temps, puis tu sais, je vais rien enlever à mon milieu de vie, mon patelin du temps, mais des amis, des gens que j'avais pour parler de ces choses-là, de parler justement, on parle de musique, mais moi, Philippe, tu sais, moi, j'aimais la musique de film, mais de trouver quelqu'un à Saint-Raymond qui aimait ça aussi. Mm-hmm. Je veux dire, là, j'étais, mais quelle découverte! Je veux dire, moi, c'est tabou, je me cache pour exprimer ce que j'aime dans l'art. Et encore aujourd'hui, mais on aime toujours ça, réinventer le monde aussi. Puis, puis oui, se pogner un chalet dans le bois, puis où est-ce qu'on. À la fois, on se rappelle des souvenirs, mais à la fois, on fait plein de projets, Philippe et moi, dans le domaine professionnel, mais. On vit notre amitié, on continue à vivre ça. C'est aussi des amis pour la vie. Il faut se rappeler que dans le temps, là, on est arrivés, nous autres, on n'était pas des délinquants, on n'était pas des bons, on était tous des bons petits gars de famille quand même, tu sais. Mais pour le conseil d'administration qui était là, on nous en a fait voir de toutes les couleurs. C'est vrai? On a testé les limites quand même de... On sortait du cadre. Puis même, je me souviens, on a fait des événements outre la télévision. On a fait des événements d'animation où est-ce qu'on reprenait des personnages, des fois justement de nos sketchs. Mais à un moment donné, on a fait une tournée en autobus durant le festival forestier, je pense. Ça, c'était une activité de financement. Oui, mais qui a rapporté 75 cents, je pense. c'est mieux que rien. Je ne me rappelle pas de ça, là. Mais on a quand même fait... Il y avait une tournée en autobus avec plusieurs sketchs live qui se passait, il y avait plusieurs arrêts. Ah oui, je m'en souviens. Mais ça, là, pour faire confiance à ça, puis dire, OK, tu sais, comme conseil d'administration, OK, gang, allez-y, on vous fait confiance. Il se passait des affaires, il y avait un endroit, il y avait même des explosions. Il y avait de la pyrotechnie. Ah oui, qui s'occupait de la pyrotechnie? Pyromax. Pyromax? Non, c'était une entreprise locale. Okay, je pensais que c'était pour personnage qui s'occupait de tiens en costume, qui s'occupait du feu. Non, c'est vrai que ça sonne comme un nom super héros. Mais quand on dit tantôt qu'on avait une espèce de pouvoir de rassembler des gens, là, c'est que les gens aimaient ce qu'on faisait. Puis ça avait toujours un écho où à un moment donné, il y avait quelqu'un qui travaillait en pyrotechnie qui disait hey, « moi j'aime votre émission, si un jour vous avez besoin d'exploser, ben, moi je peux vous faire des bons effets. » Pour un trio de jeunes hommes, c'est comme un gros cadeau ça. Ben écoute, il nous avait créé là, dans justement la tournée dont Étienne parle, là, en autobus, là, il y avait des personnages de la construction qui travaillaient sur un chantier, l'autobus arrêtait, on faisait débarquer les gens, puis là à un moment donné,
c'était une gang de construction qui était un peu nono, qui se promenait avec de la dynamite avec une brouette, qui s'en allait en arrière d'un tas de sable. Et là, je te jure, ça faisait une espèce de boum. Il t'avait une colonne de fumée de 40 pieds qui montait dans les airs parce que Pyrotechnie avait mis des explosifs dans. Puis c'était sécuritaire parce que ces gens-là, à l'époque, faisaient même. Pyromax, c'est des professionnels. Oui, c'est des professionnels. C'est des feux d'artifice. Oui, c'est des professionnels. Est-ce que vous êtes fait taper ses doigts par l'administration pour ça? Non, mais on avait quand même demandé la permission à la ville pour faire ce truc-là. Puis on avait aussi l'approbation de la Sûreté du Québec parce qu'on disait à un moment donné, les gens vont entendre des explosions, vont avoir des colonnes de fumée. On avait ce culot. Ben, ce culot-là. Ben oui, ça prenait un culot. Cette audace-là. On avait aussi, ouais. On a tourné les coins ronds là, d'un point de vue. T'sais, limite en ville. Je me rappelle qu'à un moment donné, on avait un sketch, je me rappelle plus du sketch, mais on avait des cagoules. Police est passée, mais tu remarques pas des fois la caméra. Fait que là, tout d'un coup, il y a des gars qui agoulent. Je pense qu'il y avait une scène, là, ils couraient après. Je me rappelle plus c'était quoi, mais on s'est fait intercepter. À un moment donné, il a fallu dire il y a une caméra, on fait. Ah, OK. Mais tu sais, c'est déjà arrivé qu'il y a eu. C'était de l'improvisation. On demandait jamais. Mais non, nous, on arrivait avec notre caméra, puis. On arrivait au Provigo à Saint-Raymond, là. Avec un poulet géant, là. On espérait que ça allait être correct. Ben oui, puis je me rappelle. Il avait 17-18 ans, tu sais. On avait un sketch, dans le temps, c'était Run Lola Run, cours Lola. Ah oui, nous, ouais. On avait fait Run Chicken Run. On avait un poulet qui courait en ville, puis on l'avait filmé dans l'épicerie. Philippe Mathieu, de réaliste, quand tu dis un poulet géant qui courait, là, pour les gens là, qui regardent, essaient de se l'imaginer, c'est en plastique, c'est quoi? C'est Étienne qui est dans un costume de poulet? Mais c'était pas moi cette fois-là, c'est un gros costume de poulet. Okay. Là, ouais. Fait que c'était, c'est qui avait cette fois? C'était Gabriel. Chien, qui était dans le poulet. Qui acceptait de faire le poulet géant. Je me rappelle cette fois-là. Elle courait dans l'épicerie avec ses œufs. Parce qu'elle faisait une poule qui. Je ne sais pas c'était quoi l'histoire. Mais elle sort de l'épicerie en traversant la rue, en courant devant l'église. Elle a traversé de la lumière, sa rouge, sans regarder si les autos s'en venaient. Elle s'est dit, ben, ils vont me le dire. Elle était dans son personnage à fond. Nous, on l'a vu sortir, traverser la rue, sans regarder les deux côtés. S'il y avait des chars qui s'en venaient, on se dit, mon Dieu, elle aurait pu se faire frapper. Tu sais, c'était. Ben, une autre fois, moi, je me suis senti mal. On tournait directement sur la rue Saint-Cyril, puis il y avait une scène, ça c'était dans le cadre d'un de nos sketchs d'horreur. Moi j'avais écrit un sketch que le gars, il se ramassait dans son rêve, dans son sommeil, mais le diable est venu y parler, puis il s'est rendu compte qu'il rêvait, donc il pouvait faire ce qu'il veut parce qu'il n'y avait aucune conséquence. Puis finalement, ça finissait un peu psychotique qu'il faisait des choses vraiment graves dans la réalité en pensant qu'il était dans le rêve. C'était un sketch super drôle. Oui, ça c'était drôle, ça se dit comme quoi? Non, mais en fait, bref, l'anecdote, c'est que Gabriel Borgia, à un moment donné, en faisait une passante, puis là, je voulais tester qu'est-ce que ça fait de voler quelqu'un. Fait que je partais à la course à côté d'elle, puis j'ai piqué son sac à main, puis je m'en allais. Moi, je me rappelle qu'il y avait plein de monde dans la rue, il y en a qui sont partis à courir après moi. Est-ce que tu cours après ça? Oui, mais je veux dire, là, tu fais cote, ouais, on filme! Ça, c'est... Mais tu sais, je m'étais senti, c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, Ça prouve que t'es bon comédien, tu sais, que c'est crédible aussi, que c'est bien. Ouais, mais Gabriel était bonne aussi, parce qu'elle faisait la fille qui s'était fait voler. Mais des fois, c'est là où on testait des fois, c'est que des fois, on faisait des trucs qui étaient limite, ou que l'humour, dans le fond, ne plaisait pas à tous. Je me souviens, à un moment donné, on a fait un sketch sur une maison de personnes âgées à Saint-Raymond. Puis, on avait eu du feedback de ça, tu sais. Les autres, ils n'avaient pas apprécié qu'on fasse de l'humour là-dessus. Puis ça, c'est arrivé quelques fois. Fait que ça, c'est... Puis ça, on est il y a plus de 20 ans. C'était pas de l'humour méchant. Jamais de l'humour méchant. Cette histoire-là, justement, c'était un centre de personnes âgées qui était tout neuf, qui était construit, mais qui s'affaissait tranquillement. Un beau bâtiment neuf, mais les fondations n'étaient pas solides. Puis on avait fait un sketch où on avait des personnes âgées dans des fauteuils qui montaient, mais qui se faisaient petit dans le sens. Fait que ça faisait ça. D'une grande subtilité, de l'humour subtil. C'était pas méchant, mais le propriétaire, c'est de la tête. Écoute, le propriétaire, ça ne faisait pas une bonne pub. Là, avec du recul, est-ce que, selon vous aviez raison de faire ça?
ces gags-là. Ben, ouais, c'était un peu sans conséquence, ben ceci oui, dit. C'était... Les gens sont susceptibles là-dessus. Ben, on était un peu soft quand même. Ça, c'était un non scandale. C'était pas. Nous autres, on est beaucoup de l'époque rock et belles oreilles, là, mais c'était pas ça. On était gentils. On était très gentils, mais même là, il reste que quand t'es dans une petite communauté. Effectivement que ça peut être des fois un petit peu plus susceptible ou quoi que ce soit. Mais tu sais, aucun regret. Outre que des fois, effectivement, que on réécouterait. Tu sais, réécouter les meilleurs moments, ça va, là, tu sais, ça va. Mais moi, j'ai déjà écouté certains. J'ai déjà voulu montrer ça à des gens. Ils ont comme. Ah, je peux pas montrer ça, là. Ben, qu'à un moment donné, il y a des bons malaises. Puis en même temps, c'est correct que les choses vieillissent. Puis ça, c'était une autre époque. Mais. C'est ça, que de moments de plaisir, d'exploration, d'expérience. Puis là, on est là les trois, mais il y a un paquet de personnes qui ont fait du théâtre après ça. Il y en a qui sont devenus caméramans, il y en a qui tu sais. Et il y avait surtout des gens là-dedans qui se destinaient pas à faire des trucs culturels comme ça. Nous autres, on a un ami, un coloc à l'époque. Fred Paquette, qui était là beaucoup, Gabriel Borgia, Marion Dupuis. Aster, Béjean. Mais des gens qui ont osé, pareil, que c'était pas leur profil, mais pas du tout, du tout. Non, c'est ça, oui. Puis qu'il y a des gens qui ont comme fait, ben, OK, on essaie, on fait un sketch, on embarque dans tout ça. Puis derrière la caméra, tu sais, il y avait tout le temps du monde passionné par la technique, tu sais. Moi, Guillaume Genois m'impressionnait tout le temps, lui. On lui avait demandé de brancher une caméra sur une sécheuse, il avait été capable. Il était capable de prendre n'importe quel film, les brancher ensemble, puis faire que ça fonctionne. Ah, c'était un élément important, Guillaume. Vraiment un bon élément. Parce que être tourné, des émissions devant public, d'avoir une régie avec. Une régie, puis tourner avec quatre caméras pour pouvoir faire nos switches, puis c'est Guillaume qui branchait tout ça. Mm-hmm. Maintenant, il est rendu le conseiller pour tout ce qui est ordinateur et informatique pour la commission scolaire de Portneuf. Fait que tu vois, il y avait quand même une base en lui, bricoleur, débrouilleur en informatique, puis en filage. Les gars, cette année, c'est le 50e de CJSR. En terminant, en un mot, CJSR, pour vous, c'est quoi? Commencez par toi, Philippe. C'est comme un bon papa de famille qui nous a donné des permissions, en passant par Stéphane Lépine qui était là à l'époque, Stéphane qui était directeur général, qui je pense que lui avait du plaisir à tourner avec nous, mais d'un fois il devait nous voir partir avec les caméras et tout le stock, il devait se dire « Oh mon Dieu, comment ça va revenir? » La confiance, oui ça revenait tout le temps, mais la confiance qu'il avait, puis le conseil d'administration qui nous permettait aussi de faire ce qu'on faisait à cette époque-là, qui nous donnait des cassettes VHS parce que on en grugeait de la VHS là, pour filmer. Là. On avait toujours l'autorisation d'avoir ce qu'il nous fallait pour filmer. Moi, en tout cas, c'est aujourd'hui que je leur en suis vraiment, vraiment reconnaissant. Là. Stéphane, comme directeur général, qui nous donnait la permission, puis son CA aussi en amont, qui nous a permis... La confiance qu'ils nous ont donnée, puis qui ont permis à une communauté de se retrouver dans un intérêt commun. Moi, c'est ce que je trouve le plus important. Et pour toi, Étienne, c'est JSR en un mot? Le plaisir, l'implication citoyenne, comme je disais tantôt, ça m'a pris du temps à catcher que c'est ça que je faisais, mais après ça m'a donné le goût de m'impliquer dans d'autres choses. Je m'implique dans Maison Plamondon, ici à Saint-Raymond, puis c'est autre chose, mais on est dans la culture, on est dans le patrimoine, on est dans l'émergence de projets autres. Fait que oui, la confiance, l'ouverture, c'est ça, c'est le fun d'avoir ça. On est chanceux comme communauté d'avoir une télévision communautaire, ça c'est sûr. Ouais. Mm-hmm. Pour toi, Jean-René? C'est un souvenir, mais c'est un souvenir durable, puis ça ment pas des souvenirs durables. Il y a une raison pour laquelle ça nous quitte pas. Moi, c'est une empreinte permanente. Ouais. Pour moi, personnellement, ça a été important dans mon développement de celui que j'allais devenir. Ouais. Quand on t'a demandé de venir ici, 2h30 de route, t'as dit oui instantanément. Mm-hmm. Je pense que c'est la nostalgie, puis ça paraît que... C'est de la nostalgie un peu. Moi, on en parle, puis je suis comme genre... Oh. On fait-tu un sketch? On a une caméra, là, on écrit ça. Et tu sais, c'est...